Ce qui se passe au sein de notre famille royale ressemble un petit peu à un scénario de feuilleton américain qui passe en début d'après-midi. Paternité cachée, fils rebelle. On va faire le point avec James Dino, notre envoyé spécial. Oui, James, je pense que vous êtes en duplex avec un autre membre de la famille royale. C'est bien ça? Oui, enfin, un autre membre. Attendez, vous êtes en train de mettre les bœufs de l'éventualité avant la charrue de la vérité, de Warzé. Calmez-vous. En plus, ça n'est pas un membre, c'est une fille. Ah. D'ailleurs, elle est où, alors, cette... Monsieur, puis-je déposer son macramé dans l'atomium en fricadelle? Mettez ça là, mon vieux. Juste ici, à côté. Je suis là. Ah! Delphine Boël. Delphine Boël, je ne vous trouvais plus. Oui, j'étais caché. Ah! Vous étiez caché, mais ça, vous avez l'habitude. Non. Oh, non! Oh non, 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 non. Dites, qu'est-ce que vous avez dans la bouche, là? Oh, oui, pardon. Mais vous êtes une dégueulasse, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? C'est pour ma prochaine œuvre en papier mâché. Oui, ben... Heureusement que vous ne faites pas des œuvres en papier moulé, parce que là, ça serait encore plus dégueulasse, excusez-moi de vous le dire. Oh! Bon, vous savez qu'on a reçu sur le plateau le prince Laurent, c'est votre demi-frère, je ne me trompe pas. Laurent, il était là? Est-ce qu'il a bu dans un verre? Prenons sa salive et allons directement lui faire une prise de sang. Hein? J'appelle les labos. Laurent, non, non. Il est où? Non, est-ce qu'Albert est venu avec lui? Non, il est dit en coulisses qu'il devait faire une randonnée avec lui la semaine prochaine et il est allé faire une reconnaissance, donc... Ah, ben ça c'est comme moi, hein. Moi aussi, il est parti au moment de ma reconnaissance. Écoutez, arrêtez de nous gêner, présentez-nous plutôt vos œuvres. Oh oui, très bien. Alors, je pense que c'est intimement lié avec votre rapport avec Albert, hein, c'est ça? Ah non, pas du tout, ça c'était au début, peut-être, une fois, hein. Mais là, maintenant, j'ai fini d'être obsédé par lui, regardez, j'ai fait cette œuvre en papier mâché, là. Regardez, vous voyez. Ben oui, là on voit effectivement que ça n'a strictement aucun rapport avec Albert, c'est très clair. Oui. Je l'ai fait pour l'épiphanie, c'est la galette des rois. Oui, ben j'espère que cette fois vous allez pouvoir un peu toucher la galette. Oh non, non. Oh oui, je vois que vous avez une autre œuvre là, qu'est-ce que c'est? C'est une toilette en papier mâché? Regardez, j'ai appelé cette œuvre le trône. Mais ça n'a aucun rapport avec Albert, hein, vous pouvez le constater. Ah ben effectivement, je constate que ça n'a strictement aucun rapport. Par contre, je vois que vous avez fait ça en papier mâché, mais que avec des journaux néerlandophones. Ça fait exprès ou c'est pour la symbolique? Oh, enfin. Une dernière œuvre peut-être, au oui, hasard? Oui, volontiers, d'accord, je ne sais pas. Écoutez, monsieur, je vous ai dit que pour les œuvres de Madame Boël, il faut les déposer de l'autre côté. Mais ce sont les poubelles. Madame Boël, nous avons déposé ça pour vous. Ah, merci. Qu'est-ce que c'est, Madame Boël? Je veux le découvrir en même temps que vous. Mais c'est une plaque personnalisée. Oui, regardez. Oui, je dirais que je considère cela comme une œuvre d'art en ça. Et qu'est-ce que vous avez fait mettre dessus, alors? ADN? ADN de Warzé, je pense que ça doit vouloir dire Albert Delphine négatif. Oh non! Arrêtez de pleurer, appelez l'antenne de Warzé. Merci beaucoup, Delphine. Ah! On est fait du flex comme cela. C'est rien.